On se retrouve pour ta troisième session de philosophie pratique avec Mehdi Belhadj-Kassem, qui nous aide à comprendre un peu mieux le monde dans lequel on vit et puis peut-être celui où on a envie de vivre. Et pour cette troisième session, après avoir parlé de la question de la vérité et du fait qu'elle n'était pas morte, mais qu'elle était une tension, un conflit entre le véridique et le mensonger, et qu'à la fin c'était ça qu'on vivait, c'était ça la vérité du réel. Cette tension en permanence renégociée entre les deux. Et puis après avoir discuté de ce qu'était le pléonectique, cette volonté d'appropriation, cette nature même de l'humain, d'appropriation permanente du monde autour de lui, on en arrive à la question de la société du spectacle, qui est un texte qui avait été écrit par Guy Debord et qui a fondé un mouvement qui s'appelle le situationnisme, qui est un mouvement qui faisait un point de situation sur notre société. Aujourd'hui, Mehdi, c'est quoi la société du spectacle et est-ce qu'on est dans la décadence de cette société du spectacle? On est à la fois à son apogée, ça veut dire la crise du Covid et maintenant la guerre en Ukraine, voilà, comme disent certains internautes, il faudrait filer le prix Nobel de médecine à Poutine. Le Covid a disparu du jour au lendemain des prompteurs médiatiques. Donc c'est vrai que par rapport à cette crise de la vérité dont on a parlé, là on parle de quelqu'un qui n'est pas proprement philosophe qui est Guy Debord, mais qui a créé ce concept très très important de société du spectacle. Et dans notre entretien sur cette crise de la vérité, c'est-à-dire la vérité comme friction entre le mensonge et le véridique, par exemple, on pourrait dire, c'est grâce à cette immense fantasmagorie, à cette immense imposture, à cet immense mensonge Covid depuis 2 ans, qu'a émergé une certaine vérité de notre situation en tant qu'être humain dans le monde. Et ça, c'est quelque chose que je pourrais développer très longuement, j'aurais pas le temps ici, mais c'est vrai que souvent, je pose la question, et si on posait le mensonge en premier et la vérité en second? Et si c'était, d'une certaine manière, grâce au mensonge, par exemple, grâce à la société du spectacle, spectacle du Covid? Il y a 20 ans, c'était le spectacle de la guerre contre le terrorisme et le spectacle vraiment littéralement du World Trade Center, un spectacle évidemment macabre, comme l'a été le spectacle du Covid. Mais c'est vrai que je conseille pour moi très souvent, vraiment comme on n'a que 8 minutes, je peux vous dire que sur la société du spectacle, allez voir, tous affaires cessantes, un film qui s'appelle « The Great American Psy Opera », qui pour moi est peut-être le plus grand film des 10 dernières années. C'est digne de... Quand Godard est très très génial, c'est de ce niveau-là. Il y a un film de Cyberberg qui s'appelle Hitler, un film d'Allemagne qui fait 8 heures, c'est incroyable. The Great American Psy Opera, c'est un film de quasiment 4 heures fait par un geek américain anarchiste sur les images du 11 septembre. Et sur la société du spectacle, c'est vraiment le meilleur film que je connaisse. Donc voilà, pour faire court sur la société du spectacle, faire vite et bien, aller voir ce film. Donc, la société du spectacle, voilà, c'est pour Debord le stade du capitalisme, quand le capitalisme devient tellement gigantesque qu'il devient image, qu'il devient une sorte de trafic d'image et que nous sommes manipulés par un monde d'image. Ça renvoie vraiment à Platon, parce qu'on est très nombreux, on est des millions en France et des centaines de millions dans le monde, à qui la crise du Covid a servi à sortir de la caverne. Ça a été pour un très très grand nombre d'entre nous, y compris un philosophe comme moi, la crise du Covid, ça a été vraiment ma sortie de la caverne. Et c'est vrai que quand je vois quelqu'un comme mon ex-maître Badiou complètement être dupe du narratif Covid, alors qu'il se prend vraiment pour la réincarnation de Platon, comme Platon 2.0. Là, sur ces questions de la vérité, des conditions contemporaines du concept de vérité, voilà, j'ai envie de lui dire, écoute, Alain, Guy Debord, en tant que normalien, tout ça, tu as toujours plus ou moins méprisé Debord, qui était un bac plus zéro. Ben, politiquement, Guy Debord a beaucoup plus contribué, disons, à penser la question de la vérité aujourd'hui avec sa notion de société du spectacle. Ça veut dire, voilà, c'est une mise en scène. C'est
La crise Covid a été une gigantesque mise en scène orchestrée par l'ONU, l'OMS, le FMI, etc. On a été comme des traités comme des marionnettes, oui, comme des... Ouais, et puis à la fois on fait partie du spectacle, et à la fois on en est le spectateur. Ça rappelle beaucoup les mises en abîme théâtrales et dramatiques de Shakespeare ou d'autres d'auteurs comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un spectacle, imbriqué dans un spectacle, imbriqué dans un spectacle. Et puis, à la fin, tu disais dans ton livre, tant qu'on attend le prochain épisode, on n'agit pas, quoi. Ah oui, c'est ça. Le situationnisme, c'était vraiment le fait de reprendre en main sa propre vie. Hors caméra, on a discuté de ça. C'est-à-dire, politiquement, moi, j'ai toujours été très influencé par les situs, et je suis très anti-marxiste-léniniste. Badiou était un léniniste, et reste léniniste, un maoïste non repenti, etc. Il a adoré Pol Pot sur le coup. Voilà, et ça finit avec Bill Gates et Klaus Schwab. C'est vraiment... Alors, moi, je me suis complètement réconcilié avec mes racines dès l'adolescence anarcho-situationniste. C'est-à-dire là, parce que c'est une question de survie aujourd'hui. Situationniste, ça veut dire créer des situations, ça veut dire reprendre sa vie en main. Et là, c'est vrai au niveau éducation, au niveau santé, au niveau philosophie, parce que l'université, c'est pareil que l'hôpital public, elle est en poudre maintenant. Il n'y a plus de démocratie, donc il n'y a plus de possibilité de faire un travail libre à l'université. Et moi qui me suis considéré comme un petit peu maudit comme ça pendant 20 ans, au contraire, aujourd'hui, j'ai l'impression d'être béni. J'ai vraiment de la chance, merci au destin de ne pas avoir fait de moi un universitaire, parce que j'aurais pu, ça fait 15 ans, j'aurais pu passer une équivalence, j'ai déjà largement le niveau pour aller dans les meilleures universités du monde, mais voilà, pour des raisons de flair, tu vois, je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce monde-là, et effectivement, cette gigantesque société du spectacle qui nous domine à échelle planétaire, est à la fois, grandeur et décadence, en train de triompher. Il est clair que la mise en scène Covid constitue en tant que telle une immense réussite, parce que ça a pris sur beaucoup de gens. Et en même temps, il n'est pas difficile de voir que c'est un gigantesque échec. Moi, mon hypothèse sur la crise ukrainienne, c'est plus une hypothèse, c'est que c'est vraiment fait pour masquer cette espèce d'échec cuisant au final, du narratif Covid. C'est des millions de personnes en France et des centaines de millions de personnes dans le monde qui ont définitivement compris la mascarade, l'imposture où on vivait, et que cette crise Covid était en fait le révélateur d'une crise infiniment plus grave et infiniment plus profonde de la société du spectacle. Voilà. C'était pas du tout une crise sanitaire, c'est vraiment la crise et la chute définitive d'un modèle de société. Et donc, on doit tous... Effectivement, quand on a crevé le décor, ça y est, on l'a crevé, quoi. On est passé à travers et voilà. Il sera plus impossible de revenir en arrière et de ne plus comprendre qu'on est dans un décor. C'est une question de survie, maintenant. C'est-à-dire, c'est même pas question de bonne intention. « Oh, je suis anard. Oh, je suis plutôt situ. » C'est pas une question d'opinion, maintenant. C'est une question de rester vivant. Voilà. C'est une question de survie. Merci. Merci beaucoup pour cette session, et puis on se retrouve dans 2 semaines. À bientôt. À bientôt.